نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح Mira s'est enfuie parce qu'elle est enceinte, Annie. Je suis sûr qu'elle complote quelque chose avec Fatine. Tu piges ? J'ai compris, Amir. Et bien sûr, nous, on n'est pas au courant de tout ça. J'en sais rien. Mais vas-y et dis-lui. Puisque tu ne peux garder un secret, tu peux y aller et tout lui raconter. Apprends donc comment ne pas te rendre vulnérable, mon frère. Il n'y a que toi et moi pour travailler ensemble. Sais-tu comment... on appelle ce qu'elles sont en train de faire. Sais-tu ce que cela signifie? Cela veut dire qu'elles réussissent dans tout ce qu'elles ont planifié. Et il faut que nous agissions très vite. Oui, rapidement, tu as compris? Je te jure, je ne te comprends pas. Si tu savais tout ça, pourquoi tu ne m'as rien dit? Me blâme pas maintenant. Je suis en train de réfléchir à ce que je devrais faire. Pas seulement à ce que je devrais faire, mais ce que toi et moi, ce que nous devrions faire tous les deux. C'est la situation, et nous devons la régler. Point. Je te jure, c'est comme un film indien. Mon oncle, cesse de tourner en rond, tu me donnes le tournis. Bon, dis-moi, tu as donné cette bague ou pas? Je l'ai fait. Pourquoi? J'en sais rien, me demande pas. Mais si je lui disais « oui », à quoi d'autre devrais-je répondre ensuite? De quelle question me parles-tu? Si elle demande pourquoi je la lui ai donnée. Alors pourquoi tu lui as acheté cette bague si tu ne voulais pas qu'elle sache que cette bague venait de toi? Parce que Malak est une femme très seule. Personne ne se rappelle d'elle pour quoi que ce soit. Tu veux me faire croire que tu lui as acheté cette bague parce que tu avais pitié d'elle? Non, non. Ce n'est pas ça. Et alors? Qu'est-ce que tu veux dire? Cette femme veut tout faire à l'ancienne, tu ne vois pas? Et pourquoi pas? Mais que penses-tu qu'il te manque pour faire les choses de manière traditionnelle? Rien du tout. Mais comment suis-je censé faire les choses de manière traditionnelle à mon âge, Massa? C'est embarrassant! Comment ça? Qu'est-ce que l'âge a à y voir? Je t'en prie, arrête. Tu veux nous tourner en ridicule. Et comment appelles-tu ce que tu fais là? Tu sais, tout ça, c'est une mascarade. Mais non, mon oncle, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux juste que tu décides et que tu saches toi-même ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que je ne peux rien décider. Ça fait trop longtemps que je vis en solitaire. Je ne sais même pas si elle-même sait ce qu'elle est en train de faire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Que dis-tu alors? Ce que je veux savoir, c'est si tu l'aimes ou pas. Au fait... En fait, elle ne me connaît pas bien. Elle peut prendre tout son temps. Et je prendrai mon temps aussi. Écoute, mon oncle, ce que j'ai compris d'elle, c'est que si tu n'arrives pas à te décider tout de suite, elle va changer d'avis très rapidement. Elle changera d'idée. Comment ça, changer d'idée? Bonjour Madge, c'est Mira. J'aimerais te voir tout seul. Je serai au café dans une heure.
Mira? Non mais tu plaisantes. Où as-tu disparu? Tu n'as dit à personne que tu venais me voir, Majida. Tu n'as pas confiance en moi ou quoi? Mais bien sûr que si. Sinon je ne t'aurais même pas parlé. Bon, dis-moi. Aide-moi à tout comprendre. Pourquoi tu fais ça? Quelle raison as-tu de faire ça? Tout ce que je suis en train de faire, c'est pour le bien de Noor. Si c'est ça, va lui dire parce qu'il est vraiment confus. Ton départ l'a vraiment complètement déboussolé. Je pensais qu'il était heureux avec Maria. Et que les choses étaient redevenues normales, comme elles étaient avant mon arrivée. Je ne veux pas leur causer de problèmes, spécialement avec Maria dans cet état. Je suis fatiguée. Vraiment fatiguée, Majid. C'était prévisible. Oui, c'est vrai que ça devait arriver, oui. Dès le début, ça devait arriver, je crois. Mais était-ce nécessaire de disparaître comme ça, dis-moi? D'une façon ou d'une autre, toute cette histoire aurait fait des dégâts. C'est mieux de disparaître. Tout comme je suis arrivée. Ainsi, je suis partie. Tu veux dire que tu ne reviendras plus? Non. Pas tant que Maria est dans cet état. Je ne veux pas qu'elle se stresse à cause de moi. Et ton accord? Que fais-tu de cet accord, alors? Tu ne veux pas de l'argent? Sinon, tu serais reparti en France direct. Tu sais parfaitement que je me moque pas mal de cet argent. Et si tu me parles de France, c'est un tout autre sujet. Il vaut mieux que tu le laisses comme ça. Mmh. Oui, bien sûr. Quoi? Qu'y a-t-il? Tu dis que tu ne veux pas de 600 millions. Tu penses aussi que je cours après l'argent, Majid? Oui, et de plus, la somme d'argent n'est pas petite. Et puis si l'argent n'était pas un souci, tous les problèmes qu'on a eus avec toi auraient été réglés dès ton arrivée. Écoute, Mira, dis-moi directement, pourquoi est-ce que tu m'as appelée? Parce que tu me manquais. Que la maison me manquait. Tous ces petits détails qu'on vivait ensemble. Étrange, hein? Tu ne peux pas me croire, mais c'est la vérité. Je ne voulais pas de l'argent, ce que je voulais, c'était une famille. Je voulais vraiment une famille et j'ai vraiment cru que je l'avais trouvée. Regardez la télévision. Je vais aller prendre une douche. D'accord, Anouche. Mais s'il te plaît, fais vite, je ne veux pas être en retard. Amir. Il veut savoir. Tu perdras beaucoup, Fatine, je vais m'en assurer. Je vais perdre beaucoup? On verra bien qui va perdre. D'accord. Et où es-tu?
Où crois-tu que je suis? Si tu m'envoies des messages comme ça, je vais beaucoup perdre, etc., etc. Cela va te coûter très cher, Amir. Ah oui, de ça, tu peux en être sûr, mon grand. De combien on parle? Écoute, mon chéri, au tout début, je n'étais pas d'accord avec ce que Mira faisait. Mais graduellement, je vois... Eh bien, que cette situation délicate va bientôt tout régler. Ensuite, qui risque de tout perdre et d'être en danger? Bon alors, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Je te le dirai plus tard, chérie. J'ai voulu t'appeler pour que tu saches si on a... quitté la villa, nous n'avons pas... changé d'avis sur tout ce qu'on s'était dit avant. D'accord? Il faudrait qu'on se voie et qu'on puisse parler. Vraiment? Au revoir, mon chéri. Allô? Allô? D'accord. Ça, c'est un comment. Et voilà. Voyons voir qui s'amusera le plus maintenant. Non, ne sois pas triste. Je voudrais te voir sourire. Non, mais tu comptes vraiment ça comme un sourire? Fais un effort. Je voudrais voir un très grand sourire. Je veux voir le Nour que j'aime tout souriant. J'aurais voulu pouvoir sourire et ne pas être triste. J'aurais voulu m'amuser aussi. Mais je ne peux pas. Je sais bien que tu as des problèmes, toi aussi. Mais tu n'es pas comme les autres. Est-ce que tu penses vraiment que les gens n'ont pas de problèmes? La vie suit son propre cours et pas le parcours que nous voulons. Ne compliquons pas les choses. Ainsi, nous allons pouvoir être heureux tous les deux. Ah oui. Je souhaite pouvoir trouver cet espace, même si je l'ai par hasard, Anoucha. Cherche-le et tu le trouveras. Comme ce qui nous arrive tous les deux actuellement. Dis, bébé, c'est pas toi qui m'avais dit que tu voulais étudier et que tu ne voulais plus avoir d'enfants, c'est bien ça? Je le sais, mon chéri, mais je te dis, j'ai déjà demandé à Maria. Bien sûr, tu devais lui demander, parce que c'est Maria qui va avoir les gosses et pas nous. Ce n'est pas ça, mon chéri, mais Maria a dit qu'elle aimerait voir nos enfants. Elle aimerait bien les voir? Si elle, elle sera contente, nous, on sera condamnés. Sérieusement, Maillard? Les enfants vont nous condamner, mais tu n'as pas honte de parler ainsi? Écoute, tu sais bien que ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais tu vois, maintenant, ce n'est pas le bon moment. Je n'arrive pas à le croire, je ne comprends pas comment tu penses, Maillard. C'est toi qui me harcelais disant vouloir des enfants et maintenant tu n'en veux plus? Tu me cherches, c'est ça, Maillard? Oui, j'en voulais, mais maintenant j'en veux plus. Oui, mais moi j'en veux maintenant. Come on, Maillard, life is too short, my darling. Vraiment, tu parles anglais, tu penses que je ne sais pas le faire? Je sais moi aussi parler anglais, tu sais. Mais oui, je parle anglais. Et tu sais quoi? Je ne peux prendre aucune décision avant d'être financièrement stable. Je parle d'argent, je veux que ce soit le mien, pas d'un autre. Maintenant... le plus important, c'est que tu aies ton diplôme, en tout premier lieu. Pour l'instant, oublie les enfants. Le diplôme avant tout. Non. Le plus important, c'est que je puisse continuer à vivre avec toi. C'est le plus important. D'accord? Bonjour, Nour. Je sais que tu as des millions de questions qui te trottent dans la tête. Pourquoi ma mère et moi, nous sommes partis sans rien dire?
Cet email est pour répondre à certaines de tes questions et les clarifier. Et le reste sera un mystère jusqu'à ce que je te revoie. J'espère que ce sera pour très bientôt. Je ne comprends pas ta relation avec Maria. Et je n'arrive pas à l'accepter. Nour, mon chéri. Pour le moment, il vaut mieux que je reste loin de vous. De toi et Maria. Pour qu'elle et toi, vous puissiez vivre ensemble. Et que tu sois avec elle pendant ce moment difficile de sa maladie. J'espère te revoir très bientôt. Je t'aime, Nour. Salut, Amir. Je voudrais te parler d'urgence à propos de la disparition de Mira et de sa mère. Alors écoute, je dois... Pourquoi ? T'es où maintenant ? Ah, d'accord, je viens de voir. Non, non, non. Ce n'est pas clair. Je ne comprends pas pourquoi Mira s'est enfuie. Nous devrions savoir pourquoi elle s'est sauvée. Tu as bien raison. Nous devons comprendre pourquoi Mira et sa mère sont partis si rapidement. C'est urgent. Mmh. D'accord. Je suppose que si cette disparition avait quelque chose à voir avec nous, alors est-ce que tu aurais pensé à la même chose de la même façon ? Tu me croirais si je te disais que je pensais à la même chose ? Quelqu'un dans la villa doit avoir fait quelque chose qui a fait partir Mira et sa mère d'ici. Mmh. Alors nous pensons tous deux à la même chose. C'est sûr. Quelque chose s'est passé entre vous ? T'es incroyable. Nour, t'es vraiment incroyable. Qui, moi ? Pourquoi rire ? Je te pose la question. Réponds, Amir. Tu me le demandes sans toi-même te poser cette question. Quoi ? Réponds-moi. Alors ? Ta manière... Je veux dire, ta manière d'accuser ainsi les gens de tout et n'importe quoi tout le temps. Dois-je comprendre que tu es en train de m'accuser, c'est ça ? Que je les ai aidés ? C'est moi qui avais une liaison avec Mira ou c'était toi ? C'est moi qui aurais dû te demander ça. C'est moi qui aurais dû te demander ça. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre Mira et toi pour qu'elle se sauve avec sa mère ? C'était quoi ? Réponds-moi. Quoi ? Non, rien, Amir. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ça ? Quoi ? Quoi donc ? Comment ça ? Nour, elle t'aime toujours. Elle attend que je meure pour te voir et toi tu l'as accepté. Non, ce n'est pas vrai. Je te jure que je ne l'ai pas accepté. Sors-toi ça de la tête. Pour l'amour du ciel, Maria, sors-toi ça de la tête. Ce ne sont que des bêtises, tout ça. Je t'en supplie, oublie ça. Et laisse-la dire ce qu'elle voudra. Retire ça de ta tête, s'il te plaît. Cesse de mentir. Depuis que tu m'as vu, tu ne cesses de me mentir. Ça suffit. Arrête de me blâmer pour ça. Tu sais le problème. C'est que tu ne me mens pas qu'à moi. Mais tu te mens à toi-même et c'est pire. Tu peux te calmer. Discutons de ça calmement. Regarde-moi, allez. Je ne veux pas. Je ne veux pas te parler ni te regarder, je ne veux pas me calmer. Tu sais, si tu ne veux pas admettre qu'il y a quelque chose entre elle et toi, moi je vais l'admettre pour toi, Nour. Tu n'as pas du tout oublié cette femme. Pas un jour tu n'as cessé de penser à elle, pas un seul.
Après tout ce qui s'est passé, tu attends toujours? Maintenant, tu deviens son complice, Annie. Je ne peux pas le comprendre. Que veux-tu dire par son complice? Si Amir a fait des choses derrière ton dos, tu seras en train de l'aider sans le savoir. Je crois pas. Tu ne crois pas? Je ne crois pas du tout en ce qu'Amir te dit qu'il fait. Il y a bien un truc bizarre. Pourquoi ne t'a-t-il pas appelé pour parler et planifier quand Mira est partie? Il doit être en train de manigancer quelque chose de pas très clair. J'en sais rien, Massa, j'en sais rien. Amir est complètement fou. Il peut faire ce qu'il veut et je l'accepte, c'est tout. Écoute-moi. J'ai le sentiment que tu n'en es pas totalement convaincu. As-tu fait attention à Amir? Tu n'as pas vu de quelle manière il agit à chaque fois qu'il est découvert? Ça ne t'a pas traversé l'esprit qu'il est aussi de mèche avec Mira et sa mère? Je t'ai déjà dit qu'il criait sur Mira l'autre jour à cause d'un plan entre eux. Je suis sûre qu'il y a quelque chose entre eux. Vous allez me dire que c'est... que ce n'était pas vous non plus, hein? Malak, je... Qu'est-ce que c'est que ça? Rien du tout. Donnez, allez. Vous allez laisser la lettre comme vous avez laissé la bague, tout simplement. Écoutez, je... Quoi, Faraj? Vous ne savez plus parler? Bien sûr que si. Mais je suis nerveux. Ne la lisez pas maintenant. Attendez que je parte, s'il vous plaît. Si vous faites ne serait-ce qu'un pas, je vais crier et faire tout un scandale, compris? Ne bougez pas. Pourquoi? Vous ne savez pas comment le dire? C'est pourquoi vous devez l'écrire? Mais je n'y croirai pas tant que je ne l'entends pas. Si je le dis, ça ne marchera pas comme il faut. Bon, d'accord. Vous voulez bien lire votre lettre pour moi? S'il vous plaît, lisez-la au moins pour moi si vous ne voulez rien me dire. Malak. Je ne savais pas... que c'était si dur de vivre ma vie sans vous à mes côtés. Malak, j'ai rêvé de passer le reste de ma vie avec vous. Faraj, je n'ai jamais rien entendu de paroles plus belles de toute ma vie. Dites-moi, pourquoi voulez-vous m'en priver? Malak, nous allons nous marier. Bien sûr! Monsieur Fadi, est-ce que tout va bien? Dites... Bonjour Firas, ça va? Non, il n'y a rien, c'est seulement que je voulais te voir. Vous m'avez fait peur, j'ai pensé qu'un incendie s'était déclaré dans le bureau, ou qu'il vous était arrivé malheur, monsieur. Non, grâce à Dieu, rien de cela n'est arrivé. J'étais juste chez moi et... j'ai fait 2-3 trucs et ensuite, me suis... ennuyé, j'ai fui jusqu'au bureau. C'est le seul endroit où je peux me détendre, c'est pourquoi je t'ai appelé. Vous avez l'air très fatigué, monsieur. Si vous voulez, on peut aller dans un endroit pour nous amuser un peu, n'est-ce pas? Il n'est pas trop tard pour ça maintenant? C'est vrai qu'il est tard, mais je suis déjà là, alors pourquoi pas? Nous pouvons sortir un peu et nous amuser. J'ai un jour de libre demain. Dis-moi si tu l'es aussi, on peut faire quelque chose ensemble? Ça marche. D'accord. Bon, allons-y. Allons. Maria. Maria.
Nor Maria se rend chez ses parents. Est-ce que je pourrais te parler en privé, s'il te plaît? Nor, regarde-moi et réponds-moi. Est-ce que tu t'inquiètes à propos de Mira? Ne me parle pas de ces bêtises à propos de l'accord et de l'argent, d'accord? Si elle n'était pas sûre de ton amour pour elle, elle ne t'aurait jamais envoyé cet email-là. Ce n'est pas la peine de me mentir. D'accord. Ça ne fait rien. Calme-toi, mais pourquoi ne pas nous asseoir et en parler calmement? Je pourrais alors tout expliquer. Il n'y a rien dont on puisse parler en privé, toi et moi. C'est fini. Je ne me sens même pas triste, en fait. Je me sens libre. Et je veux vivre le reste de ma vie comme je le désire, parmi les gens en qui j'ai confiance, sans illusion. Quoi? Mais dis quelque chose. Nour, écoute, Maria peut faire ce qu'elle désire de sa vie. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Partons. Partons, Fatih. Bienvenue, ma chérie. Mais tu viens nous visiter ou c'est quelqu'un qui va voyager? Elle s'est disputée avec Nour. Et elle est partie. Oh non. Et pour quelle raison? C'était quoi? Pour la raison habituelle. Mira? Oh ciel. Il n'avait pas dit qu'on s'était débarrassé de cette fille dans nos vies? Apparemment pas. Je crois que Maria a vu quelque chose. Excusez-moi. Au revoir. Mais bon sang, pourquoi fais-tu les 100 pas dans la pièce depuis une heure? Quoi? Je te vois aller et venir, que se passe-t-il? Il n'y a rien, juste pour voir les clients, tu comprends? Comment? Mais où sont les clients? Il n'y a personne. Au cas où quelqu'un vient. Oh, alors s'ils viennent, tu pourras marcher, assieds-toi, viens là. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve ça assez bizarre, qu'elles aient disparu. Mais qui donc? Comment ça, quoi donc? Fatine et sa fille Mira? Ah! Et pourquoi diable t'en fais-tu pour ça? Est-ce que ton nom de famille serait Noir par hasard, dis-moi? Allons, allons, cesse de plaisanter, tu veux? Je veux dire, je les connais et voudrais avoir de leurs nouvelles et savoir ce qui leur est arrivé. C'est compréhensible, non? Dis, Rafik, tu es sûr que Fatine ne t'a ni texté ni appelé et que tu ne sais pas où elle est actuellement? Non, pas du tout. Tu n'as pas honte? Je te l'aurais caché. Mais qui sait si tu me caches quelque chose, Karim? Qui, moi? Quoi, Fatine m'aurait parlé à moi? Elle aurait préféré parler à l'ange de la mort. Tu sais, mais je peux demander autour de moi et peut-être, qui sait, j'apprendrai des choses. Non, 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 non. Il vaut mieux que tu restes loin de moi après ce que tu as fait. Ah, quelques clients arrivent. Tu peux commencer à marcher. Tu n'en as pas fini avec tes blagues, dis-moi. Tu ne m'as pas dit que tu marcherais lorsque les clients viendraient. Et pourquoi j'ai des serveuses, alors? Ah, comme tu dis. C'est bien ça. Alors, où est-ce que tu vas, Riab? Je veux lui parler. Comment peut-il lui faire cela? Comment peut-il lui faire une telle chose? Il n'a rien fait, peut-être. Comprend ce qui s'est passé et agit ensuite. Je sais ce qui s'est passé. Ma fille me l'a dit. Mais je ne vais pas laisser passer ça. Dans ce cas, va le réprimander. Et ensuite quoi? Qu'arrivera-t-il? Ensuite, il s'excusera. Nous ne pouvons laisser notre fille ainsi. Il doit faire amende honorable. Notre fille est malade, elle ne peut pas être triste, tu es fou ou quoi? Oui, rien. D'accord, il viendra. Même si elle s'excuse, elle ne veut pas de lui. Fadi me l'a déjà dit. Fadi? Qu'est-ce que Fadi a à faire entre un mari et sa femme? C'est impossible que Nour fasse une chose pareille maintenant. Surtout actuellement, Riyad.
Notre fille ne veut pas entendre parler de lui. Pourquoi tu ne comprends pas? Laissons-la recommencer une nouvelle vie et donnons-lui le temps de décider de ce qu'elle veut faire de sa vie. Écoute, essayons de diminuer ses problèmes et réduire son stress. Si ce n'est pas pour nous, faisons-le pour elle. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu conduis vite? Tout va bien? Oui, mais on doit arriver à Dubaï avant la nuit pour faire du parachute. Mais nous avons beaucoup de temps pour le faire. Le temps nous dépasse toujours. Ne l'oublie pas, ça. Si vous le permettez, je veux la voir. Et moi, je te dis que tu ne peux pas la voir. Dites-lui au moins, peut-être qu'elle veut me voir. Si elle le voulait, elle serait restée avec toi. Beau-père, s'il vous plaît. Non, non, Nour, s'il te plaît. Reste loin de ma fille, on n'a pas besoin de toi ici, d'accord? Elle est ma femme, voyons, vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Comment ça, je ne peux pas la voir, beau-père? Puisque je te dis que moi, je ne vais pas te laisser la voir. Ah oui? Oui. Maria! Que fais-tu? Maria! Qu'y a-t-il, Nour? Maria, tu ne peux pas me quitter et partir. Tu n'as pas le droit! Je ne vais pas revenir. Alors je te prierai de partir d'ici sans faire de scandale. Satisfait? Massa comprend. Zen est seulement un bébé, et sans grande dépense. Mais plus tard, il va avoir besoin d'une nurserie et d'une bonne école, et moi je dois également payer le loyer. Je ne sais pas comment payer toutes ces dépenses. Mais dis-moi, Sarah, dans une situation pareille, Amir devrait aussi t'aider, non? Amir? Est-ce que tu plaisantes, Massa? Mais bien sûr, Amir. Il est le père et il devrait aider. Amir n'est bon que pour nous causer des problèmes et me briser le cœur. Mais ma chérie, c'est ton droit et celui de ton fils, et tu ne dois pas te contenter de moi. Amir est l'un des 5 fils de Noah. Il n'a pas que son père pour l'aider. Il a 4 oncles qui ne devraient pas rester les bras croisés sans rien faire. Tu le sais. Non, ma chérie. Je ne veux pas de leur pitié. Sarah, tu veux me rendre folle? Ce n'est pas de la pitié, c'est ton droit. Si tu ne te bats pas pour tes droits légaux, qui va le faire? If we never meet again. Chérie, pourquoi tu l'éteins? J'ai une question à te poser. Oui, chérie? Comment considères-tu Zayn? Zayn? C'est quoi cette question-là? Je veux dire, qu'est-il pour toi? Ton cœur ressent des choses quand tu le vois? Je n'en sais trop rien, mon amour. Je n'ai jamais vraiment pensé à ça. Si tu comptes combien de temps j'ai vu Zayn depuis sa naissance, ça ne fera même pas un jour entier. Je ne sais pas quoi te répondre. Mais ce bébé est bien ton neveu. C'est vrai ou faux? Oui. Mais je n'ai jamais pensé à ça de ma vie. Alors comment tu le vois, Annie? Comme un enfant illégitime? Pourquoi tu me parles comme ça? Je veux seulement savoir, c'est tout. Je veux savoir comment tu le perçois. Si je le perçois comme tu as dit, Massa, tu ne me vois pas aider sa mère, oui ou non? Écoute, Annie, je veux seulement que tu te rappelles d'une chose. Que quand cet enfant grandira, il t'appellera oncle, c'est sûr. Je me sens vraiment très triste pour Sarah. Elle a tellement de choses à payer et personne ne demande comment elle va, ni comment elle fait pour s'en sortir. Ah, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Alors c'est juste une question d'argent. Pourquoi me demander ce qu'il n'est ou n'est pas pour moi? Ni si je sens que je suis son oncle ou pas. C'est d'accord? Non, il ne s'agit pas seulement du fric. Il y a tant de choses à payer dans la vie. Tu es responsable de cet enfant et il fait partie de ta famille. Tu dois pouvoir pour lui pas que donner de l'argent, Sarah. Si Amir ne s'en soucie pas, ça ne veut pas dire que personne ne doit le faire. C'est pour ce pauvre bébé. Calme-toi, ma chérie. Je n'ai rien dit du tout. Dis-moi ce qu'il faudra que je fasse et je le ferai. Je vais le faire pour toi, chérie, pour Zayn et pour sa mère. C'est bon. Tu es le meilleur, Annie. On peut remettre la musique? Oui, mais je me sens vraiment mal pour Sarah, tu sais. So I say
Tu as faim? Honnêtement, oui, je meurs de faim. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que tu dirais de manger ici puis rentrer à Abu Dhabi? Non. Je suis un peu fatiguée. Je pense qu'on devrait dormir ici et rentrer à Abu Dhabi demain. D'accord. Comme ça, ça marchera. On y va? Oui. C'est bon? Ouais, allons-y. Oh.